Le Valgaudemar est une vallée située au centre du massif des Écrins, dont le point culminant est la barre des Écrins, 4102 mètres. D'origine glaciaire, étroite et encaissée, elle est dominée par des sommets mythiques comme l'Olane, 3564 mètres, ou les Bans, 3669 mètres. Elle fait partie des grandes vallées du massif, à côté de celles du Vénéon, de la Valouise et du Val Jouffray. Elle est parcourue par la Sèvresse, une bouillonnante rivière venue des glaciers, longue de 33 km. Valgaudemar, aussi écrit Valgaudemar, pour respecter la prononciation locale, est composé de Val, Vallée, et du patronyme d'origine burgonde, Gaudemar, roi burgonde, qui vécut au VIIIe siècle et qui, d'après la légende, se serait retiré dans la vallée. Certaines localités sont orthographiées Valgaudemar, à l'instar de Saint-Jacques-en-Valgaudemar et Saint-Maurice-en-Valgaudemar ou Valgaudemar, dans le cas de la chapelle en Valgaudemar. Le Valgaudemar entaille profondément le massif des Écrins, dans sa partie sud-ouest, entre le sommet des Bans et la vallée du Drac. Il est inclus dans la zone périphérique du parc national des Écrins mais, bien que pénétrant dans la zone centrale à partir de Villars-Loubières, le fond de la vallée en est exclu. Le Valgaudemar est parcouru d'est en ouest, par la Sèvresse, affluent du Drac. La Sèvresse est une rivière de type torrentiel, au régime niveau pluvial. Ses crues sont redoutables. Elle a peu d'affluents importants, le torrent de Giobrenet dans sa partie haute, puis le torrent de Navette à la Chapelle, et le torrent de Prantique, à l'Ubac de Saint-Maurice. L'eau de la Sèvresse est, depuis toujours, utilisée pour l'agriculture et pour mouvoir les moulins. Les canaux d'irrigation, nombreux, ont été pour la plupart abandonnés au cours du XXe siècle. Le principal d'entre eux, le canal des Herbets, prenait l'eau de la rivière au pont du Roux et alimentait en eau la plaine d'Aubessagne, aujourd'hui chauffaillée. Restent aujourd'hui deux canaux d'amener d'eau aux centrales hydroélectriques de Saint-Maurice et de Saint-Firmin. On sait peu de choses des premiers habitants du Valgaudemar. Le répertoire archéologique des Hautes-Alpes de Joseph Roman ne mentionne aucun vestige antérieur à l'occupation romaine. Jean Guédan se borne à signaler que les Ligures, installés dans le Beaumont voisin, dès 800 avant Jésus-Christ, ont laissé comme trace des toponymes, dont celui de Sèvrasca, qui a donné le nom de Sèvres. Les Tricorii, ensemble de tribus celtes, ont occupé la région vers 300 avant Jésus-Christ. On leur doit le toponyme Morgue, qui signifiait « frontière » et se retrouve dans l'un des sommets du Valgaudemar. L'époque romaine a laissé peu de traces. Roman, sans citer d'éléments matériels, voit dans la chapelle le lieu appelé Géminé, sur la carte de Petit-Neuf, et pense que la route de Briançon à Mans, parcourait tout le Valgaudemar dans lequel elle entrait par le col de Bonvoisin, altitude 3297 mètres, d'où certains ont déduit que Hannibal aurait pu faire le trajet en sens inverse. Pour Guédan, une seule route est avérée, passant par Saint-Firmin et Saint-Jacques, mais se dirigeant ensuite vers le Champsaur. L'hypothèse d'un passage d'Hannibal par le Valgaudemar est pour lui sans fondement. D'autres historiens locaux font même passer la route romaine de Corges à Grenoble par la rive gauche du Drac, au Glaisil. De l'époque romaine date le nom Villars, dérivé du latin villa, désignant un ensemble de bâtiments à usage agricole, qui a donné deux toponymes, le Villars de Saint-Firmin et Villars-Loubières. Au milieu du 5e siècle, les Burgondes envahissent la région. La tradition attribue le nom de la vallée au roi burgonde Gaudemar, qui s'y serait retiré au VIIIe siècle, après la conquête de son royaume par les rois francs, Childebert Ier et Clotaire Ier en 534. Cette origine expliquerait la fréquence dans la vallée de patronymes et de toponymes germaniques. Du Xe au XVe siècle, la région fait partie du Saint-Empire romain germanique, mais est en réalité sous l'autorité des dauphins de Viennois. Le Valgaudemar relève du bailliage de Grésivaudan, mais ses paroisses dépendent de l'évêque de Gap. En 1377, Pierre III d'Ambel fait construire le château de Saint-Firmin. Vers 1445, Raymond III d'Ambel cède ses terres de Valgaudemar à ses filles. Ces possessions formeront les communes de Clémence d'Ambel et de Guillaume Peyrouse, qui ont subsisté sous ce nom jusqu'en 1962 avant de fusionner pour former la commune actuelle de la Chapelle. Les lieux habités se situent auprès de la rivière, mais à l'écart du cours d'eau en raison de ses crues parfois violentes. Pour être à l'abri des avalanches de pierres et de neige des pentes rocheuses inhospitalières et nues de la rive droite, plusieurs hameaux ont choisi l'Ubac, protégé par des bois étaillis.
De ce fait, certaines habitations ne voient pas le soleil de tout l'hiver, au point que, dans son Histoire des Hautes-Alpes, le préfet Ladoucette a pu faire crédit à la légende selon laquelle les habitants du hameau des Andrieux célébraient le retour du soleil en février par une omelette collective sur le pont de la Sèvresse. L'activité traditionnelle de la vallée est essentiellement pastorale, peu rentable mais maintenue grâce aux subventions du Parc national des Écrins, ovin pour la laine et la viande, caprin pour la viande de chèvre est fort appréciée dans la région, et les produits laitiers. Le haut des vallons de Prantique et de Navette permettent l'estive. Les rares terres cultivables se situent aux abords de la rivière, et plus particulièrement aux alentours des confluents avec ses affluents, le torrent de Prantique à Lubac de Saint-Maurice, le torrent de Navette à La Chapelle. Plusieurs canaux dérivent les eaux de la rivière et des torrents affluents, et permettent, ou ont permis, l'irrigation des terres situées à l'aval. Le principal est le canal des Herbets, construit au XVIIIe siècle du pont du Roux à Chauffaillée sur près de 10 km, passant par la Chaupe, le Séchier et Saint-Jacques, mais désormais en grande partie abandonné. L'entretien et la remise en état éventuel des canaux sont aidés par l'Europe dans le cadre de Natura 2000. L'activité industrielle de la vallée est réduite. Plusieurs exploitations minières ont donné un peu de travail aux habitants au début du XXe siècle, mais ont totalement disparu. La filature du Val Gaudemar établie à Saint-Firmin depuis 1830 sur le bord de la Sèvresse conserve la tradition du travail de la laine, mais serait en liquidation, depuis peu. Deux installations hydroélectriques sont en activité, l'usine de Saint-Maurice, en aval du village, alimentée par l'eau de la Sèvresse prélevée à 1015 mètres d'altitude à Villars-Loubière et acheminée par un canal de 7 km de long en grande partie souterrain jusqu'à une conduite forcée de 100 mètres de chute. L'usine de Saint-Firmin, bien visible au carrefour de la route nationale 85 et de la D485A, et dont l'alimentation en eau reprend en partie celle de Saint-Maurice. Un projet de microcentrale à La Chapelle, qui avait provoqué quelques protestations de défenseurs de la nature, semble abandonné. Comme le Champsaur voisin, le Val Gaudemar offre des spécialités culinaires telles que la tarte à croisillon des Alpes, les tourtons, les ravioles et les oreilles d'âne. Le tourisme, notamment estival, est de plus en plus l'activité motrice de la vallée. Le village de La Chapelle en est le centre et s'équipe de plus en plus pour l'accueil des visiteurs. En été, le Val Gaudemar, Himalaya français, pour Gaston Rébuffa, la plus himalayenne des vallées alpines, pour Lionel Théré, accueille de nombreux alpinistes et randonneurs. Le sentier de randonnée La Valgaude propose un aller-retour de l'entrée de la vallée jusqu'à La Chapelle par les deux rives, le GR de Pays Tour du Vieux Chaillol remonte toute la rive gauche depuis Saint-Jacques, jusqu'au col de Vallompierre, rejoint à Villars-Loubière par le GR 54, venant du Val Jouffray par le col de la Vouise. Les nombreux refuges de moyenne et haute montagne, refuge Xavier Blanc, refuge hôtel du Giobernais, refuge de Lolanne, de Chabournéou, de Vallompierre, etc., permettent l'accès au sommet. En hiver, le ski de fond se pratique autour de La Chapelle, et le ski de randonnée au départ du refuge Xavier Blanc, vers les cirques du Giobernais et du Sirac. Les principaux sites remarquables sont la cascade du Casset, à quelques minutes de La Chapelle. La cascade dite du « Voile de la Mariée », au Giobernais. La cascade du Casset, en face du bourg. La cascade de Combefroide en face de La Chapelle. Les Houles du Diable, également nommées « marmites de géants », sont des marmites formées par le torrent de Navette, dans les roches, entre le hameau des Portes et le village de La Chapelle. Ce site demande un minimum de prudence. Le lac de Pétarel, surnommé « le miroir de Lolanne ». L'église de Saint-Maurice, la plus ancienne de la région, et son tilleul de Sully. Mes sources proviennent du site de wikipedia.com.